Comment ça, il y a des bruits? Non, 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 c'est dans votre tête. Il n'y a absolument aucun bruit. Faut qu'il est content, le bibi. Oui, le bordel du bureau, comme d'hab. Hey, le bibi, il est content, pourquoi? Parce qu'il va peut-être enfin pouvoir vous faire un enregistrement d'une session RES avec une qualité correcte. Parce que les softs d'encodage, généralement, aiment pas trop hein, ce genre de trucs qui bougent pas mal. Et jusqu'à maintenant, c'était un massacre sur ma précédente machine. Pour arriver à vous enregistrer bah, une session RES avec un joli rendu. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? La réponse tout de suite après ce message d'information de l'État. Restez chez vous, ne sortez pas, les contrevenants seront fusillés. On s'y croit, hein? Et pourtant, on s'en rapproche, hein, grandement. Dangereusement, on va dire même. D'où l'intérêt de partir dans RES. Oui, ce grand jeu de mon maître. Alors je sais pas en quelle résolution il a dû me foutre, ça doit être en QHD chez moi, et chez vous ça doit être en 1080, 60. Alors je vais pas trop avoir besoin de parler puisque vous connaissez tous Rez, vous connaissez tous ma passion pour ce jeu, et forcément. Et juste à se laisser guider par la musique, hein, on y va. Peut-être me monter les retours un petit peu après. Thank you.
Alors, deux petites choses. Il y a le mix audio que je trouve pas terrible, terrible. C'est bizarre. C'est probablement parce que c'est pas sur ma vieille save. Oui, c'est une réinstall récente, ça. L'autre chose, c'est que je vais essayer de vous faire le good ending. Ce qui n'est pas garanti, puisque ça se joue vraiment tout à la fin. On peut très bien arriver blindé jusqu'au dernier niveau et hop, on se fait une touchette et c'est foutu, le good ending. Mais normalement, ça devrait passer. Oui, le nombre de fois où je l'ai rodé. What? J'ai relancé l'un? Non. Oui, en fait, c'est une nouvelle install, c'est pour ça. Alors, je vous rappelle que Rez a la particularité de faire des variantes selon le niveau du joueur. Traduction simple et vulgaire, après je me tais. Si le joueur est mauvais, bah, le jeu va pas être trop dur. Si le joueur est bon, bah, le jeu va commencer à lui envoyer un petit peu plus de trucs. Allez, rendez-vous à la fin.
Désolé pour le téléphone, toujours être emmerdé pendant un stream, c'est vital. Okay.
Thank you.
the mind. Killer.
Yeah.
ça allait être tendu, je suis redescendu à la forme initiale, ce qui n'était pas du tout le but. Alors je sais pas si j'aurais assez de bonus pour arriver à remonter dans la forme fœtus qui est nécessaire pour la bonne fin. J'ai fait bugger le jeu ou quoi? Ça va être tendu parce que c'est là qu'il faudra que j'ai la forme finale et je pense pas avoir le nombre de bonus nécessaires pour remonter. C'est moche. On va tenter quand même.
ça va pas le faire. Et oui, elle est tous les jours dans la machine. Il fallait que je termine avec la forme fœtus pour arriver à avoir la vraie fin. Alors, c'est rigolo parce que le jeu s'adapte. Et il y a eu des petits aménagements depuis la version PlayStation et Dreamcast. Et du coup, je trouve que la rythmique est vachement moins souple pour s'adapter à ce que fait le joueur que sur les versions d'origine. Sachant qu'en plus le jeu se module un petit peu selon les skills du joueur. Bon, en tout cas, je vous aurais fait un beau stream 1080p 60Hz. Ce qui changera de la précédente bouillie que je vous avais postée il y a 3-4 ans. Et on y reviendra. Et je vous ferai voir la vraie fin, promis. Un petit coup d'Infinite pour finir. Où c'est qui va me l'avoir mis? Faut que je déverrouille la version finie. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Allez, à plus.